Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où nous allons évoquer eh bien cette récente fondation de Baptiste Marché, connue également sous le pseudo de Bench et Cigar. En tout cas, récemment sur Instagram, il a fait une vidéo où il en appelle à une levée de fonds, donc en passant par une cagnotte américaine pour éviter la censure française. En tous les cas, je vais vous lire un petit peu les détails de la cagnotte juste après avoir écouté eh bien cette vidéo de Baptiste Marché qui nous explique un petit peu les chiffres en France concernant l'avortement et un petit peu le contexte familial des femmes qui sont bien souvent obligées d'avorter, même si aujourd'hui en France, il y a également une énorme part de femmes qui avortent par confort, c'est-à-dire par moyen de contraception finalement. C'est la jouissance à outrance, c'est la liberté sexuelle prônée par les 68ards. Je me dois de soutenir cette initiative et de forcément la partager, puisqu'il est question eh bien d'aider les femmes en détresse, puisque dans tout le lot, il y a vraiment des femmes en détresse qui ne savent pas comment elles vont pouvoir garder leur enfant. Et donc, avant qu'elles puissent faire ce pas, donc Baptiste Marché a décidé de lancer cette entreprise, cette association, un petit peu à l'image des Américains catholiques, où ils ont fondé énormément d'associations eh bien pour venir en aide aux femmes dans la rue. Donc pour venir en aide vraiment à toutes les femmes en détresse et pour leur éviter forcément eh bien de devoir avorter, puisque pour nous catholiques c'est un meurtre. Le fait d'avorter eh bien c'est un meurtre puisque l'enfant est un humain dès sa conception, il fait partie de l'espèce humaine. Et donc qu'il soit à un stade peu évolué ou un stade très évolué comme avec l'euthanasie aujourd'hui, par exemple pour les personnes âgées, eh bien pour nous c'est un meurtre et c'est un drame donc qu'il faut éviter. Mais pour les éviter, il faut aussi voir du côté des femmes qui souffrent, qui ont besoin d'aide. Donc sans plus attendre, je vais vous faire écouter ce que Baptiste Marché en dit. En France, chaque année, 230 000 femmes ont recours à l'avortement. Et ce chiffre augmente tous les ans. Il y a une étude qui est sortie en 2016 qui a prouvé qu'il y a un lien direct entre le niveau de vie et les femmes qui ont recours à l'IVG. Beaucoup d'entre elles expliquent qu'elles ont fait ce choix par dépit, parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers ou parce qu'elles n'ont pas l'entourage. Des mamans seules, un manque familial, etc. C'est pourquoi nous lançons le projet SMS pour SOS Maman Solo. Notre but, c'est de créer un réseau associatif basé sur le modèle américain. On veut mettre en place un numéro de téléphone sur lequel un simple SMS peut permettre à ses futures mamans d'être contactées. À ce moment-là, on va mettre en place tout un encadrement. Une maman volontaire va être désignée comme marraine et va aider la future maman dans toutes ses démarches, mais aussi l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, etc., etc. On mettra en place également une aide financière s'il y en a besoin. Pour mettre en place tout ça, on a besoin de vous et on lance une levée de fonds aujourd'hui. Nous essayons d'avoir 50 000 $. Je dis bien dollars et pas euros parce que on a fait le choix de faire un fundraising aux États-Unis pour éviter la censure de l'État français. Le lien de la cagnotte est dans la description de ce réel, dans ma bio Instagram ainsi que dans ma story. S'il vous plaît, partagez-le autour de vous. Tous les dons sont les bienvenus. Nous voulons essayer d'être opérationnels le plus tôt possible. Alors nous avons besoin de moyens financiers, mais nous avons également besoin de moyens humains. C'est pour ça que vous pouvez nous contacter sur projet.sms@outlook.com si et seulement si vous êtes une maman et que vous voulez être volontaire pour ce projet. On a besoin de tout un réseau de mamans à travers la France, également de porte-parole, etc. Toutes les candidatures sont les bienvenues. Si vous êtes maman, que vous êtes en France et que vous voulez nous aider, envoyez-nous un mail. Je vous répète, tous les dons sont les bienvenus, même 1 euro, c'est très bien. Et surtout, ce qui est important, partagez ça autour de vous. On veut essayer d'aller le plus vite possible pour pouvoir commencer à travailler tout de suite. Merci à tous ceux qui partageront et à tous ceux qui donneront. Dieu vous bénisse. Voilà, donc c'était la petite vidéo de Bench & Cigar, donc Baptiste Marché, concernant cette petite association eh bien, d'aide des femmes qui souhaitent avorter en France. Donc pour moi, c'est une très bonne idée. Il manque ce genre d'association pour être un contrepoids à la propagande d'avortement qui stipule que ce n'est pas grave d'avorter. En France, on a beaucoup d'associations qui vont dans ce sens. Nous allons voir un tout petit peu la cagnotte. Donc la cagnotte qui est de Spotfund et elle s'appelle SOS Maman Solo. Nous allons lire rapidement qu'est-ce qu'il est dit dans cette description. Baptiste Marché donc soulève 50 000 $, c'est le but. Il est actuellement à 21 846 $, il y a eu 1500 donateurs, presque 500 commentaires et elle a été partagée 89 fois. En France, chaque année, 230 000 femmes ont recours à l'avortement.
Ce chiffre en perpétuelle croissance est intrinsèquement lié au niveau de vie des Françaises. En 2016, pour la première fois, les données sur les IVG ont été associées à des données fiscales. Résultat, une corrélation nette entre niveau de vie et IVG apparaît, les femmes les plus précaires y ayant sensiblement plus recours que les plus aisées. Donc là, en gros, il reprend un petit peu ce qu'il a dit sur sa vidéo Instagram. C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour récolter la somme de 50 000 $. La plateforme de dons est américaine pour éviter la censure, afin d'être opérationnelle le plus rapidement possible. Nous avons également besoin de maman volontaire, donc n'hésitez pas à envoyer un email à projet.sms@outlook.com. Pour ma part, je trouve que c'est une très bonne initiative et je vous invite à relayer ou à participer si le cœur vous en dit. En tout cas, je pense que ça peut ouvrir la voie à d'autres associations de ce style-là et je trouve que c'est très bien que Baptiste, eh bien, souhaite lancer ce genre d'association en France. Voilà, quelques commentaires. Très bonne initiative de Baptiste. Félicitations pour cette magnifique initiative. Pour la vie. C'est ça, puisque nous, les catholiques, nous sommes pour la vie. Nous sommes une religion de vie et non une religion de mort. Donc, que ce soit avortement, euthanasie, etc., nous sommes clairement contre. Et celui qui est pour n'est pas catholique, il ne faut pas l'oublier. Le catholique qui prêche qu'il est pour l'avortement ou l'euthanasie n'est pas catholique. Super initiative, que Dieu bénisse et conduise cette magnifique association. Tout mon soutien, donc voilà, sa communauté eh bien, est du même avis que moi. C'est très bien ce genre d'initiative. Donc je vous invite eh bien, à prier pour que cette initiative voit le jour. Je vous invite à faire des Ave Maria, des chapelets, à faire des sacrifices ou à donner des messes pour le projet de Baptiste Marché. Nous allons dire rapidement un « Je vous salue Marie ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite donc une très bonne journée. À bientôt. Salut.